Refroidissement du transformateur est le processus par lequel la chaleur générée dans le transformateur est dissipée ou traitée à la valeur de sécurité. Ceci est réalisé par diverses méthodes de refroidissement du transformateur disponibles. Fondamentalement, il y a deux types de transformateurs, l'un est le type sec et un autre est type immergé dans l'huile. Le transformateur à sec est refroidi selon les deux méthodes suivantes. Méthode naturelle, la chaleur générée dans le transformateur est refroidie par la circulation de l'air naturel. Lorsque la température à l'intérieur du transformateur dépasse le niveau de sécurité standard, une alarme est activée et les ventilateurs sont activés automatiquement. Cette méthode est utilisée pour une capacité de transformateur allant jusqu'à 15 MVA. Un transformateur de type immergé dans l'huile est refroidi par la méthode de refroidissement huile-air et la méthode de refroidissement huile-eau. Lorsque le noyau et les enroulements chauffent, la température de l'huile dans le transformateur augmente. En conséquence, l'huile monte et s'écoule de la partie supérieure du réservoir du transformateur. Cette huile chaude dissipe la chaleur dans l'air par la convection naturelle et le processus de conduction. L'huile est refroidie par la circulation de l'air naturel et traverse à nouveau le radiateur pour être utilisée par le transformateur. Ce type de refroidissement est utilisé pour le calibre du transformateur jusqu'à 30 MVA. La méthode ONAF est utilisée pour le refroidissement du transformateur de calibre jusqu'à 60 MVA. Dès que la charge est augmentée, la chaleur générée sera également supérieure et le capteur a alors déclenché une alarme, la dissipation de chaleur dépasse la valeur de sécurité et, par conséquent, les ventilateurs et les pompes sont automatiquement mis en marche et le refroidissement est effectué selon la méthode OFAF. Un radiateur est installé à l'extérieur du réservoir car la température augmente, l'huile chauffe et monte. La chaleur est dissipée par le processus naturel de convection et l'huile passe à travers le radiateur, mais l'eau est pompée et passe dans l'échangeur thermique pour le refroidissement. De l'huile. Ce type de procédé convient aux transformateurs de grande capacité nominale de plusieurs centaines de MVA. Ce type de refroidissement est principalement effectué pour le transformateur installé dans la centrale hydroélectrique.